amis. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle enquête, une nouvelle vidéo, un peu spéciale. Un peu spéciale dans le sens où on se rend dans une famille dans la région de Namur. Vous allez me dire pourquoi allez-vous là-bas? Mais voilà, ils nous ont envoyé un appel à l'aide via une vidéo sur YouTube. Et nous avons pris contact avec ces personnes. En fait, il se passe des choses étranges chez eux. C'est-à-dire, la femme se fait harceler par des entités négatives. Donc, on a décidé, moi et toute l'équipe, à propos, je remercie Laurent qui vient d'intégrer l'équipe. Laurent, je te remercie grandement de nous faire confiance. J'espère que tu te sentiras bien avec nous. Et alors, encore... un flash. Encore le bienvenu. Bienvenue à toi. Donc voilà. Donc comme je disais, on va du côté de Namur essayer de comprendre ce qu'il se passe chez eux. Et après l'enquête, on essayera de faire partir les entités négatives en essayant de purifier l'appartement. Donc voilà, en gros, il y aura un débrief des propriétaires, donc la femme qui est tout le temps oppressée par des entités négatives, et le propriétaire que lui ne ressent rien du tout, mais il subit les conséquences de sa femme. Donc voilà, après cet appel au secours, on va essayer, je dis bien essayer, de faire partir les énergies négatives. Et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on fera appel à un homme de Dieu, voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. Donc voilà, je suis en route pour le lieu de rencontre. Et je vous reprendrai quand on sera tout le monde en groupe et on discutera un petit peu de la stratégie qu'on va procéder, arriver sur le lieu. Les amis, je vous dis à tout à l'heure.
à l'arrêt, on va manger un petit morceau. Enfin, on a mangé un petit morceau, maintenant on va discuter un petit peu de ce qu'on va faire, arriver sur place. Et voilà, moi c'est Fifi. Salut tout le monde, moi c'est Luigi, vous savez. Oui, on va en discuter parce que c'est une chose sérieuse et bon, on va de toute manière serein, calme et on verra ce qui se passe. Salut, c'est Jess. Donc la troisième enquête, on verra bien ce qui se passe. Ah, bonjour, bonsoir, ouais, bah, c'est Joe. On verra ce qui se passe ce soir et on va voir si on y croit, si on y croit pas. On verra dans la soirée après comment ça se passe. Voilà. Ouais. Bah, moi c'est Laurent, bon, vous m'avez déjà vu dans Hier Paranormal, donc j'ai une semaine de l'équipe quand je suis arrivé. Je vais apprendre à connaître un peu les méthodes des autres, enquêter, et donc la première enquête pour moi, je suis la particulière. Vous allez voir où on va enquêter. Tout simplement. C'est le petit nouveau. Eh ben voilà, on est venu oui. Parce que tu as mis un message de détresse. Oui, sur YouTube, tout à fait. Et alors, on est venu. Il y a un de notre membre qui a pris contact avec toi. Oui. Et alors, on a été bouleversé de ton message. Et alors, nous voilà. Mm-hmm. Donc, on va essayer de faire un maximum. Voir d'abord si il y a moyen de faire partir les entités négatives, oui. C'est déjà pas mal. Oui. Et alors, si ça ne va vraiment, vraiment pas, là, à ce moment-là, on fera venir un homme de Dieu. Ok, oui, parce qu'il est logique. Donc maintenant, je te propose, sans trop rentrer dans les détails, oui. Explique ce que tu as depuis un certain temps et ce que ton homme subit. En te voyant mal. Oui, tout à fait. Maintenant, voilà. Comme vous savez, je fais mon scrap et tout ça, mmh. Hein, je fais mes produits finis. Quand je fais les produits finis, je vais dans la salle de bain. Donc, quand je présente les produits finis, je voyais justement tous les hommes. Mais il n'y a pas que moi qui voyais tous les hommes, il y avait tous mes copinottes qui les voyaient aussi. Mon Dieu, a fait l'état du monde et tout. Donc moi après ça m'a un peu interpellé tout ça, étant médium, bien sûr, ça m'a interpellé. J'étais voir les orbes, c'était quoi, plus ou moins, parce qu'il y en a des bleus, des blanches, ouais, ouais, ouais. Et donc je dis, tiens, j'ai dit à Jean, je dis, donc lui il ne me croyait pas. Hein, ouais. Donc un autre soir, c'était un homme, et j'ai un homme près de moi, et je dis, il est méchant, et je m'accrochais à toi, hein, de toute manière, il me prenait dans ses bras et tout. Et j'étais oppressée, du mal à respirer. Donc on m'a proposé, des gens qui ont vécu déjà une situation comme ça, de prendre un verre avec du sel et le mettre en dessous du lit et voir le matin ce que ça donnait, si ça mousse. Là c'est plus démoniaque, comme on m'a dit. Hein. Ouais. Mais moi c'était vraiment tout le début à coller contre le verre. D'accord. Donc c'était sûr. Je refais de nouveau des choses dans la salle de bain, le hop, le flop, je dis, ça ne va pas ça. Et alors, je vais abréger un petit peu parce qu'il y a tellement de choses. Oui. Maintenant, si en expliquant tu te sens mal, tu arrêtes directement. Oui, non, justement, tant que je suis sur ma lancée. Voilà, donc, et ça se répétait, et je me disputais souvent avec Jean, je l'avoue, on se bagarrait, je l'avoue, on se tapait dessus, je l'avoue. C'est pas nous, on n'est pas comme ça. Je suis quelqu'un de très gentil, jovial comme Jean et tout. Bon, il parle peu, moi je parle beaucoup. C'est, bon, ça fait un équilibre. Oui, comme toutes les femmes. tout à fait. Donc, ici dernièrement, bon, il s'est passé toujours la même chose. Donc, il vient me voir le soir, papa. Et la dernière fois, je mange à table. Je dis à Jean, je dis, bouh, j'ai pas faim, j'ai envie de vomir. Et c'était juste à l'endroit où vous avez senti. Voilà. Oui, moi aussi, ici. Donc j'avais des envies de vomir. Et on m'a tiré en haut, c'est éteint. On m'a tiré en haut. Et je suis toujours attirée en haut. Et je dis à Jean, donc avec le verre, et je dis, ben, pour être sûr que c'est encore ça, je dis, je veux avoir le carnet. Je vais faire la fameuse vidéo que j'ai fait dernièrement, il y a 3 semaines.
Eh bien voilà, je dis ça recommence, c'est ça. Je l'avais envoyé à une copine, donc très 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 bien, très intelligente, hein, parce qu'elle s'intéresse à tout ça. Et j'ai envoyé il y a 3 semaines, elle fait ça, bien, ça recommence, elle fait c'est bien une ordre. Je dis oui, parce que c'est pas une poussière. Et alors, Jean et moi, on s'est dit, on va aller prendre un peu l'air. Je dis oui, comme ça, ça nous changera. Hein. Ben je vous assure, j'ai une veste, c'est une simili-cuir, hein, j'ai une veste, ça fait des années que je l'ai. Tu l'as encore ? Elle est là, je crois. Je l'ai mise là quelque part. On la fera voir à la caméra. Oui, tout à fait. Elle est bien, elle n'est pas abîmée. Si elle serait effritée, Jean m'aurait dit, mais non, je ne sors pas avec ça. Ah non, il est censé, il dit ça à sa femme, à sa compagne. Il n'a rien vu, donc ça tombe mieux en poussière. Donc, on revient. Donc, on est parti une demi-heure, on revient. J'ai un Jean, j'ai dit, prie Dieu, allume une bougie. Mmh. Et dans ma tête, je dis, un homme-là, il est là. Ça veut dire, cet homme-là, il est là. Ouais, c'est du bois long. Voilà. Et voilà, Jean, il fait une prière et il demande à Dieu de faire partir, de dégager l'entité comme ça, tu l'as dit. Hein. Oui, plus ou moins, je ne sais plus les termes que j'ai utilisés. Enfin, tu l'as fait comprendre qu'il est dégagé. Dégagé, ouais. Voilà. Moi, pour ranger, je reprends ma veste qui était bien pliée sur mon sac à main. Je le prends. Mais là, tout de suite, ça m'a dit de là-haut, là, c'est des entités, c'est mes parents. Mmh. Et c'est des énergies. Hein. Ils m'ont dit, ma fille, c'est pas nous. Tout en lambeaux. On voit, c'est les griffes. Il n'avait rien, je vous assure, je peux vous la montrer. Après, on va faire un plomb. Voilà. Ouais. Donc, j'ai dit à Jean, non, je dis, je n'en peux plus. Je dis, ben, c'est là que j'ai lancé mon appel au secours sur YouTube. Donc, il y a des trucs. Attendez, j'ai pas fini. Il y a le plateau de mon café, parce qu'il y a un petit plateau sur ma table de nuit. Il se déplace toujours. Je porte toujours un café le matin. Donc j'ai demandé à Jean. Matin, je porte toujours un café. J'ai demandé à Jean, je ne sais pas toi. Bah ouais. J'ai retrouvé toutes mes affaires parce que je commandais des trucs de maquillage, parce que quand je fais des concours, je donne deux trucs. Mm-hmm. Paf, à terre, hein, tout mélange était déposé correctement, paf, à terre. On a fait venir le monsieur, un radiesthésiste. Et tous ces phénomènes-là que je t'interromps, tu vois, ou c'est quand tu as ton tour de enfin, quand tu es parti, que tu reviens, que tu t'aperçois que tout est par terre? Une nuit et le matin, on retrouve. Voilà. Donc tu ne vois pas de tes yeux que... Non. Donc ils font ça derrière votre dos, quoi. Derrière mon dos, mais je sens quand ils me veulent ou parler, enfin bref, je sens la froidure, je sens les énergies qui sont bien ou pas bien. Je sais faire la différence. Ouais. Je sais faire la différence sur ça, parce que je vous dis, depuis l'âge de mes 14 ans que je vous ai expliqué, l'archange, maintenant je sais que c'est l'archange Michael qui, malheureusement pour mon copain, et ainsi de suite, ça évolue ainsi, quoi. Et médiumnité, c'est channeling, ça veut dire c'est le contact direct, c'est pas moi qui vais vers les défunts, c'est les défunts qui viennent vers moi pour annoncer des choses à des gens. Admettons, il y a une femme, elle devait avoir le cancer, ben, elle l'a pas eu, un enfant qui devait mourir, c'est la marraine de ma fille, il n'est pas mort. J'ai trouvé plein de gens, j'ai fait plein de choses, j'ai aidé plein de gens. J'ai travaillé avec la police. Je ne sais plus comment elle s'appelle, ce type-là, pour quand il y a eu le problème avec Julie et Mélissa, voilà. Plein de choses qui m'ont arrivé, comme du mal et du bien. Je vais pas mentir, on m'a annoncé du mal pour des gens et tout, mais moi je ne le disais pas, mais les gens me suppliaient. Donc je leur disais, et ça arrivait, quoi. Mais est-ce que je peux faire une petite parenthèse, parce qu'en fait on parlait de vidéo, enfin tu parlais de vidéo. En fait, avec les ordres, en fait, nous, ce qui nous a laissé perplexe avec l'équipe et qu'on a réagi bizarre, c'est par rapport, en fait, tu fais un tuto maquillage et au final, on voit nettement donc, quelque chose qui passe à droite et directement, il y a ta réaction qui est, parce que nous, on suppose qu'une ordre, tu ne peux pas l'avoir à l'œil nu. Oui. Donc, ça fait que tu as senti quelque chose à côté de toi qui a fait que tu as dit, bon, moi, j'arrête, j'en viens et j'arrête. Oui. Donc en fait, tu as senti un truc oppressant, c'est obligatoire, tu vois. Je suis rentrée dans la salle de bain, j'étais déjà oppressée. Mm-hmm. Vous voyez, je sais pas si vous... Je respirais mal, donc c'était déjà là. Et en fait, quand nous, on a vu cette vidéo-là, Fifi et tous les livres, on s'est dit, bon, il faut aller, parce que malgré le manteau et tout ça, vraiment ce qui était pour moi le plus solide dans les vidéos qu'on c'est a l'or. Données, c'est l'orbe et votre réaction qui est directement... Il y a quelqu'un. Oui, oui. Vous vous sentez direct et parce qu'en fait, là, vous ne pouvez pas l'avoir à l'œil nu. Oui. C'est impossible. C'est soit par vidéo ou photo. Voilà.
Et c'est ça qui nous a décidé vraiment, réellement, en même temps votre détresse, forcément. Donc quand vous dites vidéo, c'est déjà enregistré. Oui, oui, qui est sur le film. D'ailleurs, j'ai déjà eu le phénomène de... Oui, donc... Je fais des photos, je regarde, je ne vois rien. Ça, je prends pas. Les photos, je les mets dans mon ordinateur, je fais les rushs, et là, je m'aperçois qu'il y a des ors. Donc directement, je ne les vois pas. Et quand je fais les rushs, là, à ce moment-là, je vois des photos, oui, avec rien, et je vois des ors. Voilà. Ah, d'accord. Mais on arrive encore à faire, on va mettre... Oui, oui, voilà. Oui. On arrive à faire la différence entre de la poussière, un moustique, quoi. Mais clairement, là, c'est visible. C'est trop rapide, en fait. Ça va super vite. Tout à vite. Fait. Bah oui, même il y a trop un ami, pour un poussière va pas aller à l'horizon. Voilà. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, l'orbe part de votre... notre motion de la caméra, elle part de votre gauche. Oui. La gauche. Et quand je crie, et on voit elle une autre part. Qui part directement. Il y a deux petites aussi. Voilà, hein. De votre épaule. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment décidé, plus la peloscope, forcément. Parce que la veste, on ne peut pas, on n'était pas là. Donc, bah oui, voilà. Je sais, mais non, professeurement, j'en ai une rêve. Voilà. Mais non. Clairement, on s'est dit, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Oui. Et maintenant, on ne sait pas. Oui. Et on est là pour vous aider. Bien sûr, c'est déjà bien gentil d'être venu. Pourquoi pas, et c'est pas impossible. Non. Voilà, c'est pas et puis maintenant, c'est comme je vous ai dit, on va essayer de faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est réalisable à notre niveau. Oui. Maintenant, de toute façon, votre appartement sera purifié, oui. On fera ce qu'il faut, oui. En fin d'enquête. Et s'il y a encore ces phénomènes, à ce moment-là, je prendrai contact avec un homme de Dieu. Et à ce moment-là, je lui demanderai ce qu'on peut envisager. D'accord. Mais, je suis gelé, j'en attends. Je crois qu'il est près de moi. De toute façon, moi aussi, j'ai des frissons. Mais je sens... De toute façon, ne t'inquiète pas. Par la porte ou par la fenêtre, oui, il partira. D'accord. Il n'a rien à faire ici. D'accord. Et il n'a pas, à emmerder les gens. Oui. Qui retournent d'où ce qui vient. D'accord. Point. Oui. Ok. Oui. Eh bien, c'est trois en principe. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous dis, je vous remercie quand même. Il m'a déjà merci à vous déjà. Ben oui. Bah, parce que c'est rien de nous avoir choisi. Parce que, à mon avis, tu avais une liste. C'est le premier contact qui ont fait que. Oui, mais c'est vrai, mais il y avait. Enfin, je ne vais pas citer le nom, il y avait une dame, elle m'a incité d'aller voir une voyante, que oh, ouais. elle est bien. Je dis, mais non, c'est moi qui décide. Hein. Le problème dans ces cas de figure, en fait, c'est toujours difficile d'en parler, parce que le paranormal, ça reste un sujet quand même assez. C'est délicat, en fait. C'est complexe, hein, pour certaines personnes. Mais c'est inexplicable. Ouais, voilà. C'est ça, le souci, c'est inexplicable. Mais j'y crois, mais l'expliquer, ça. C'est pas possible. C'est impossible. Ça ne sera jamais expliqué. Et ça ne sera jamais expliqué. C'est l'infini, c'est la nature en fait, c'est le bien et le mal. Tout à fait. Moi j'y crois totalement depuis que le radiesthésiste est venu. Et que je dis que l'archange Michael, oui, c'est ça. Et alors, on est monté, et puis sur le petit palier, il y avait un bac rouge comme il y a là, avec des pinceaux dessus. Et le trépied. Et non, le trépied, oui. C'est pas celui-ci, c'est un autre. Il est là. Et alors, on était tous les trois en haut. Moi, j'étais dans le fond, là-bas, en haut. Mmh. Et, ça a valsé. Oui, et à un moment donné, ça a claqué. Donc de colère, hein. Ça a claqué, quoi. Et là, je pense que j'ai eu la frousse de ma vie quand j'ai entendu ça. Quoi, mmh. C'est... Bah oui. En fait, je pense que c'est une peur, mais en fait, on cherche à comprendre parce qu'on réalise. En fait, quand il y a un phénomène qui arrive pour moi, comme moi, en fait, je réagis de la façon suivante. C'est en fait, j'ai du mal à analyser la situation parce que tellement que c'est, on se dit, c'est impossible. C'est impalpable pour vous, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas normal, c'est impalpable parce qu'on ne peut pas le toucher. On essaie de comprendre le phénomène. Est-ce qu'il était mal vissé? On va essayer de trouver vraiment les choses qui sont explicables. Mais quand il n'y a pas, mais quand il n'y a pas d'explication, on est perdu. Et est-ce qu'on peut dire c'est vraiment paranormal? Est-ce qu'on peut supposer que c'est comme ça que ça fonctionne en fait? Et là, on va faire pour répondre à vos questions, sans oublier le côté
rationnel, oui, et le côté paranormal. Oui. Donc vous aurez les deux. C'est ça que Jean-Emmanuel voilà. était aussi. Voilà. Je dis qu'il y a quelque chose, je dis crois-moi, et tu te bornais et tout. Je comprends, hein, je respecte ce. Non, en fait, hein. Je voulais pas y croire sans y croire. Non, en y croyant. D'accord. C'est ça qui s'est passé et le déclic qui s'est fait donc, quand j'ai entendu ce truc. Mais je vous dis, un jour j'ai entendu la voix de Michael Archange, l'Archange Michael, et je vous assure que c'est vrai. Hein. En fait, les voix, ça passe par les énergies de nos énergies. Hein. C'est comme ça. C'est spirituel. Hein. Voilà, là, très, même, très, oui, c'est très spirituel. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, il aura une vraie preuve, et là, il aura la trouille de sa vie. Effectivement, tu es la truie de la poche. Mais la truie, mais moi non, j'étais voir quand les trucs sont tombés, j'étais voir dans le monsieur, c'est Laurent, je crois. Laurent, je ne sais plus comment. Didier, enfin, Renaud, je sais plus. Non, mais oui. c'est pas. Il a fait son boulot, le monsieur. Hein, mais 15 jours, on était tranquille, mais après, c'est tout. Quoi. Ouais. Non, j'ai dit à Jean, il y a un petit hic, je sens, je dis. Il est encore là. C'est un gros hic. C'est un gros hic. Le problème, c'est que ça vient. En fait, moi, je vais vous expliquer aussi. C'est ça qui m'a plu. Enfin, qui m'a plu. Qui fait que ça rejoint un peu mon histoire à moi, parce que j'ai vécu quelque part ça aussi, sans vraiment manifestation d'objet ou quoi que ce soit. Mais l'oppression, rien qu'une oppression pendant 5 jours qui vient du jour au lendemain comme ça, sans savoir pourquoi. Mais déjà, je l'ai dit à Jean. Ça, je l'ai lu pendant quelques jours, j'étais à Jean, je suis oppressée, j'ai du mal à respirer, je te le disais, j'ai entendu comme une marche. Et maintenant, nous, on a nos appareils. J'ai quelque chose. J'ai entendu une marche craquer, moi. Non, je viens d'avoir. Je l'ai entendu, ça. Tu l'as entendu? Non. J'ai entendu. Qui dit son prénom, hein, au lieu de souffler. Bon, on fera une séance de Spirit Box après. Hein. Oh, bah, enfin, bon, de toute façon, je vais finir. Donc je disais quoi? Vas-y, finis, je sais plus. Crains pas tes pieds, mais oui, c'est mes pantoufles. Je sais plus. Je t'ai coupé. Enfin, voilà, ça me joint un peu ce que moi j'ai vécu aussi. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait insister aussi. Vous pouvez aller comprendre voilà. aussi. Oui. C'est à peu près la même chose que j'ai vécu, sans les phénomènes. Bon, j'ai eu des phénomènes de bruit, un phénomène de bruit. Oui. Mais ça me joint un peu. Et donc, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on vous le dit. Hein. Si ça nous dépasse, on fait appel à quelqu'un. Oui, j'ai bien compris ça. Oui, c'est normal, bien sûr. Ça, oui. Mais justement, en parlant de ce quelqu'un, il y a un homme, Ludovic, c'est un chaman. Hein. Il a passé même à la télévision. Donc, je crois que j'appellerai ce monsieur-là. Si, admettons, ça ne marche pas même avec le curé. Ça se veut, hein, je ne sais pas, moi. Maintenant, on est là déjà pour savoir. Oui. S'il y avait quelque chose. Alors, c'est ça que... À la limite, allez, je veux dire, comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend et tout ça. Pourquoi moi? Ce qui ferait partie, c'est toutes ces questions-réponses qu'on aimerait ça, bien. Ça, j'ai tout à fait compris parce que je regarde votre aventure et je sais comment ça se déroule. Mais tout ce qui serait au-delà, on va dire, de nos compétences à nous, comme là, les trucs de chaman et tout ça, ça, nous, on n'a rien à voir avec ce. Non, c'est parce que j'ai voilà, ouais, non, parce que c'est de la géobiologie. Et c'est même pour dire à ceux qui nous écoutent ou quoi, on n'est pas des marabouts ou quoi. On reste dans le paranormal, on va parler comme ça. Dans la région, on désorganise pas quelqu'un. Il travaille avec les énergies, mais pour lui, c'est paranormal. Voilà. Nous, on cherche vraiment. Oui, tout à fait. À comprendre. Voilà, comprendre. Et en même temps. Mais c'est pour vous comme pour nous. C'est explicable. Dans un sens. Parce que nous, on cherche ça, et pour vous, ça vous arrive. Vous aimeriez bien aussi savoir. Qu'est-ce qu'il veut, comment ça se passe. Si, je cherche pourquoi moi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Pourquoi il s'attaque maintenant à mes choses, en fait. Voilà quoi. Je pense pas que de toute façon que ça soit mon mari. Je pense pas que c'est mon mari qui. Il te fait du mal. Garcia, non. Mais j'ai pensé à Augustin Flamand. Parce que j'ai jamais pardonné qu'il me frappait et tout ça. Maintenant, on peut faire une séance de spirit box. Oui, après. Ouais, après, on peut voir, sans demander si c'est lui, mais demander déjà qu'est-ce qui est là. Qui est là, oui. Et on va voir si ça répond, et avec peut-être les prénoms. Donc, les noms, à la limite, on ne voudrait même pas savoir. Non. Sinon, qu'on dirait, il a dit Garcia tout à l'heure, et maintenant, comme par hasard, ils ont entendu Garcia. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça, tu vas expliquer de façon fonctionnelle de la SBM, de toute façon. Oui, hein. Bon, en fait, c'est une bête radio qui balaye les fréquences.
AM, FM, à grande vitesse. Donc, ben, c'est en millisecondes. Donc, normalement, en principe, tu ne dois pas entendre de voix. Sauf si c'est une voix qui vient de... Ouais, d'ailleurs. D'ailleurs. Voilà, en fait. Ce qui est intéressant avec cette radio, c'est qu'au final, en fait, elle a deux channels, elle a deux bandes simultanées. Ouais. Elle balaye en stéréo. Il y a beaucoup de bruit blanc, en fait. Et quand on a une voix, ben... Ouais. Ça se marque là-dessus, alors, sur le plan. Et ce qu'il y a bien sur la 11, donc tu as une sonde de température, et alors tu peux balayer de gauche à droite, donc en avant et en arrière. Donc maintenant, et alors tu sais désactiver l'antenne. Par exemple, ici, vu qu'on est en plein Namur, dans la région de Namur, il y a beaucoup de radios. Ben oui. Et alors, si on ne désactive pas l'antenne, ce qu'on ne sait pas faire sur la 7, à ce moment-là, tu peux entendre quand même des voix radio. Donc voilà en gros. Mais après, ce que je vous propose aussi, c'est de faire une séance de PVE, mais dans le calme. Oui. Hein. Par exemple, lui poser des questions. Oui. Et alors, quand on fera les rushs, là, on entendra si on a des voix ou des PVE. Ça, on va dire que les PVE c'est un peu plus, on va dire, un peu plus solide que la Spirit Box, parce qu'il ne faut pas oublier que la Spirit Box reste une radio. Tandis que là on a un phénomène de voix électronique qui n'a rien à faire là en fait. Ouais. Et c'est un peu plus intriguant. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, n'empêche que moi à la Spirit Box, quand tu poses une question, que tu as la réponse tout de suite, ouais, voilà. On se pose quand même des questions. Voilà, on se pose des questions. Moi j'avais fait une enquête dans une école. J'avais ma Spirit Box, je posais des questions, j'avais des réponses, et tout d'une fois, je reçois un PVE d'un Allemand qui me dit Hartum. Un Allemand, ben comme ça, Hartum. Ça veut dire retourne, ça? Non, ça veut dire attention. Ah. Attention dans une école. Ben, c'est une ancienne Athénée à Liège. Il y a eu la guerre, donc ils ont peut-être réquisitionné les bâtiments. Et ça a été capté dans mes deux caméras. Et dans la Spirit Box, je n'ai rien entendu. Donc c'était un pur PVE. Et j'en ai eu deux. Le premier, c'est une voix un petit peu satanique. C'est troublant, on ne comprend rien. C'est dans une école. Donc tu vois... des fois, tu vas dans des lieux, c'était un B-Turbex, et je me suis dit, bah, ça va, j'avais mon K2, ma Spirit Box. Celui que j'étais avec, il est parti de son côté, parce que lui, il ne veut pas entendre parler du paranormal. Il n'y croit pas, mais il veut... Il n'y croit pas, il y croit, enfin, soit. Mais, voilà. Moi, je suis parti de mon côté, je me suis dit, je vais faire une petite séance. Et là, j'ai attrapé ces deux PVE-là. Ben vraiment, vraiment bien, Hartum. Voilà, je rejoins un peu ce que tu dis. Hein, quand j'ai été faire une enquête, j'ai demandé à quelqu'un qui était décédé, qui était mort dans cette chambre, j'ai dit est-ce que tu m'as compris? Et d'un coup, il y a une voix de femme qui a dit c'est clair. Donc c'était pour moi une réponse vraiment intrigante. Ouais, c'était oui, je t'ai compris, c'est clair quoi, ce que tu dis est clair. Donc, moi ce qu'on m'a dit, c'est une voyante, elle m'a dit qu'il y avait celui qui habitait ici, donc c'est un homme, il est mort en 2011, il est décédé dans les escaliers de la cave quand vous passez le hall. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Il nous l'a expliqué tout à l'heure. À partir de là que tout s'est déclenché, je dis à Jean, parce qu'avec ma chose et je l'ai ressenti et tout, je dis à Jean, je dis, bizarre, je dis, la porte elle s'ouvre toujours, j'aime pas ça, crac. Je vous assure, tous les jours je le faisais quand on allait faire les courses et tout, puis je l'ouvre, j'ai vraiment, je dis, il y a un homme dans l'escalier. J'ai dit à Jean, il y a un homme dans l'escalier. Et voilà, et ça a toujours fait ça, et depuis ce temps-là, voilà. C'est pas celui qui sortait les... aussi. Est-ce qu'il y aurait des chances d'être dérangé si on va faire une séance par là avec les voisins? On ne sait pas au final. Ouais, mais là, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Ils vont te se poser des questions. Ouais, le meilleur, c'est se concentrer ici. Sinon, ils vont débarquer dehors avec des voisins, ils font quoi, ils rigolent. En plus, on ne les connaît pas, ils ne sont pas du bloc. Non, mais ça fait.
Mais en fait, bon, c'est parce que. Je suis désolée. Hein. Si ça non, mais moi, je préfère te voir comme ça, moi. Ah oui. Ah oui, moi, je préfère te voir comme ça que l'autre fois. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Hein, je vais prendre un peu l'air. Je vais prendre un peu l'air. Bon, on va arrêter deux minutes avant de faire la bazar. Ça va. Oui. Ok. Coupé. Avec nous. Est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que tu... On peut savoir comment tu t'appelles, s'il te plaît? Jess, il y a du monde. J'ai entendu Jess, hein. Il vient de me parler. C'est Jess que t'as dit? Est-ce que tu es avec nous? Descends. Viens discuter avec nous. Maman, c'est pas ma maman. On peut savoir comment tu t'appelles, s'il te plaît? C'est toi, Jocelyne? Ouais, je vois, température. Ouais, je le sens. Est-ce que vous avez une toilette?
Rapprochez-nous. Rapprochez-nous. Rapprochez-vous. Venez près de nous. Je n'ai plus de traitement sur ma peau. Ça va changer. Si c'est... Mais loin. Ouais, c'est comme si c'est vous, descendez la température. Si vous savez. Je pense. Je vais mettre une caméra en dessous. Mais... Ah bah ouais. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, hein. Ouais, mais ça va, mais on... c'est loin. Ouais. Rapproche-toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est toi que j'ai senti dans les escaliers tout à l'heure? Oui, c'est moi. Donc vous êtes un homme alors. Oui. T'as entendu que ça dit ouais. Merci. Pourquoi vous en voulez-vous à Myriam? Pourquoi Myriam? Merci. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? Ça dit quelque chose, mais j'entends ouais, pas. Ils ont l'air de discuter. Ils sont en train de discuter. C'est comme si ils discutent entre eux. Entre ouais. Eux. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes à deux? Ouais. Est-ce que vous êtes à deux? Allez, faites un effort. Est-ce que vous êtes à deux? Est-ce que vous êtes un homme et une femme? Il a dit oui. Voilà. C'est pas mes parents. Est-ce que vous êtes les parents? Je crois que j'ai entendu non. Non. Est-ce que vous êtes des anciens locataires? Moi, ça. Est-ce que vous voulez partir d'ici? Est-ce que vous êtes bloqué? Oui. Oui. Bloqué. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Je mets la caméra. Il n'y a rien du tout. Hey, il fait sonner. Est-ce que c'est vous qui faites à l'épreuve de tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez arrêter de l'épreuve dans vous, s'il vous plaît? Arrêtez-le. Arrêtez le M-Pod, s'il vous plaît. Arrêtez le M-Pod. Stop. Stoppez le M-Pod. Merci. Merci. On touche plus au M-Pod. D'accord? On touche plus au M-Pod. Venez avec moi en bas. Venez avec moi en bas. Venez avec moi en bas. Non. Arrêtez de faire sonner le M-Pod, s'il vous plaît. Merci. Venez avec moi en bas. Suivez-moi. On va venir après en haut. Suivez-moi en bas.
N'allumez pas le REMPOD, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est derrière moi, je le sais. C'est derrière moi, je l'ai vu, je le sais. Vous en avez encore ? Ouais, ouais, et là, il est armé. Il en a encore une main, je vais vous demander si vous êtes. Est-ce que vous êtes avec moi en bas maintenant ? Je sais qu'elle est sympa, elle est tout à fait, c'est magique. Tu veux faire ça ? Non, c'est vrai, elle est... Là, il parle, mais on entend. Est-ce que vous êtes en bas avec nous? Est-ce que vous m'avez suivi? C'est rien, ça n'a pas. Ça, c'est pas la même. On va pas trouver une alarme. Là, c'est le bon appel. On vous invite à descendre. Est-ce que votre présence vous, enfin, est-ce que votre présence vous dérange? Non. Parfois, c'est trop loin pour moi. Tout le monde ou quoi? Tout le monde, j'ai entendu tout le monde, mais tout le j'ai monde. Pas entendu. C'est vrai, c'est vrai. On doit tous se barrer. Qu'est-ce que vous allez nous faire si on part pas? Vous êtes capable d'arracher un manteau, vous êtes capable de parler dans la suite une boxe quand même. Voilà. Ouais. Ça c'est bien, un truc avec Eric Carton. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est vous qui avez fait les griffes dans le manteau? Est-ce que vous connaissez mon nom? Ou un de l'équipe, ouais. Ou un de l'équipe. Jess. Ça parle des pièces. Ouais, c'est est-ce que c'est Jess qui vous dérange? C'est peut-être quelqu'un pour lui. Ben, ça peut être quelqu'un qui le suit. Et par rapport à l'autre, il était comme ça, il a parlé, il ne parlait pas du tout, il a dit ça du tout. C'est un petit peu. L'autre, il est pour un billet. Marchand, c'est ça? Tu veux déjà écouter? Je peux essayer de le mettre tout de suite. Bon, on peut tester comme ça, parce que moi, je les entends, mais de loin. On va changer la fréquence pour voir si on sait mieux communiquer avec vous. Ne te tracasse pas, hein, ouais, c'est ça, ça qui fait. Ouais, ne te tracasse pas, moi. Ouais. Non. Et lui tout à l'heure il était à 0, alors plus 4. Est-ce que vous êtes encore avec nous s'il vous plaît? Le température ne change pas ici. Voilà. Le porte n'a jamais sonné autant. Je sens tout refroidir derrière moi. Oui? Est-ce que vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît? Où habitez-vous? Ouais, c'est ça, ouais. On va faire le faire. Thank you.
C'est bout de toi, hein. Mais ils sont pas là, ça va. J'aime pas des fois. Oh, Jackie. Bon, allez. Est-ce que vous pouvez faire sonner le grain de pote si vous voulez qu'on vende en haut? Ouais. Elle a répondu. Allez vous faire foutre aussi, hein? Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, en plus tu rigoles en plus. Fabrice, est-ce que ça c'est toi? Je suis ta soeur, c'est toi Fabrice? Vous savez qu'on veut que vous partiez. Est-ce que vous êtes le frère à Myriam? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? J'ai pu entendre de Jean. C'est de la famille de Jean. Ouais. Ah. Est-ce que vous êtes de ma famille? Est-ce que vous êtes la maman à Jean? Thank you.
pas leur propre. Hein. On va essayer avec l'objet. Ils sont les sparks. Un homme, mais tu vois, à chaque fois, j'ai un cloche comme si c'était que j'avais fumé un paquet de cloches. Bah, c'est mon frère, il a eu cancer. De la gorge. De la gorge, il est mort étouffé. Il est mort étouffé. J'ai ça, moi, j'ai comme si j'ai vu. Bah, c'est mon frère. Club, quoi. C'est peut-être lui. C'est mon frère, je te dis que. Mais on entend parler, mais tu vois, mais on dit. Mais elle était là, il fait quoi? Il parle ainsi. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Ah, oh, lui tient tout de suite. Bah, bah ouais, il est en train de flipper. Putain. Non, pas cette boîte-là, celle que j'ai dans la main. Faites bouger celle que j'ai dans la main, pas celle-là. Celle que j'ai dans la main ici. J'en ai une dans la main, faites bouger celle que j'ai dans la main. Regardez, je vous approche. Voilà. On est gentil. On est... De Myriam ou Jean ? Faites bouger celle-ci. Montre-la à la caméra. Hein, ouais. Faites bouger. C'est bien comme ça. On verra ce qu'il dit. Regardez ici. Non. Maintenant il est en mode. C'est si, bien. Il y a le copyright, c'est un. Voilà. Moi j'ai pas trop confiance. Il dit là. Allez, ici, bon, on a eu des réponses. Il y a assez... Ouais, on a eu des bonnes réponses la dernière fois. On l'a essayé et même. Oui. Faites bouger. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Oui, merci, c'est gentil. Mais vous n'osez pas m'approcher. Vous ne voulez pas m'approcher. Pourquoi? Je vous fais peur? Faites... Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez le vide, s'il vous plaît. Dangereusement. Oui, écoute. C'est dangereusement? Ouais, dangereusement. Oui. Et quand il dit ça, c'est pour qui? Ah non, ça peut être n'importe. Ah d'accord. Ça peut être Luigi, ou ah, ça ouais. peut être Anou, ou il a peur, ou ouais. Ah, c'est en danger. Ouais, c'est en danger aussi. Ouais, ça peut avoir plusieurs significations. D'accord. Dangereusement. Ouais, c'est ça, dangereusement, ouais. Plus fort. Non, non, plus fort. Plus fort. Allez-y, si vous voulez. J'ai jamais vu ça, ah, alors, c'est pas un défaut. Calcula, copyright. Allez, peut-être plus fort, hein. Calculer, ouais. Stop. Maintenant, il y a une entité, il va peut-être qu'on aille au-dessus. Arrêtez, hein. S'il vous plaît. Tu veux qu'on monte? Maintenant, si tu veux rester en bas, arrêtez, merci. Quelqu'un reste avec toi. Merci. Hein. Merci, mm-hmm. C'est gentil. Non, arrêtez. Ça t'a fait ça pour que je monte. Paresse. Paresse. Il est feignant de descendre. Ouais, feignant. Hein? Non, arrêtez. Ogan, ça je connais pas ce mot-là. Qui? Ogan. Mort, tu as copyrighté. Ogan, non, mais je peux dire le nom de celui chose. Mortuan. Hein. Ah ouais, t'es vrai? C'est Ogan. Ouais. C'est Augustin. Coma copyright, Yen. Comédienne. Yen. Comédienne, il dit. Comédienne, à qui? Bah, je sais pas, bon, à mon avis, il y a tout le monde. Non, mais il marque ça. La copyright missionnaire. Ouais. Missionnaire. Tourbière. Faites sur lui, c'est tourbière. Tourbière. Faites sur lui, pour aussi. Retira copyright. Retirer. Retirer matériel. Il est en train de parler avec Luigi, que ça passe en danger. Ah, ça se pourrait aussi. Hein. Bah, faites sur lui, la petite boîte. Oh, mais non, il est au-dessus. Ah, lui, il est au-dessus. Hein. Oh, mais non, tu as dit qu'ils étaient trois. T'as quelque chose à nous dire? Ils sont à trois, moi, je te dis. Ouais, ils jouent, là, ils jouent avec nous. Ah, moi, je peux plus gérer ça, hein, c'est pas... Espagnol. Non. Bah, elle dit espagnol, mon mari est espagnol. C'est toi qui es ici? Marc Lounon. Inoubliable. Ouais, donc c'est un amour inoubliable, qui arrive comme ça. C'est le bon ou c'est le mauvais, ça, l'espagnol? C'est le bon. Ah bah c'est ça, alors, inoubliable, parce que tu dis tout le temps mon mari, les ouais. Ça, c'est peut-être ça, tu sais. Ouais. Ça peut-être, tu vois, ça peut avoir des conséquences. Tournage. Tournage. On filme. Ouais, tournage, ouais, on est là. T'as vu On va recommencer, il y a zéro. Tu sais comment on fait? C'est vu, cool, des fois, ça c'est ouf, hein. Ouais, c'est...
espagnol. Inoubliable, voilà. Inoubliable, tu ne l'as jamais oublié. Ben non, parce que jamais, je parle toujours de lui et tout. Bah, ouais. Même celui qui est décédé, mon petit ami, je devais. C'est pas depuis sur le micro. Ben je sais, c'est comme un ovidus que les Américains l'ont pu. Inoubliable. Oui. Je sais, mais je comprends, je suis pas dupe, hein. Je suis pas con. Ton âge, on est là. C'est réglé, on est là. Je l'ai aussi téléchargé, moi. C'est réglé, ça, méchant. Tu as déjà regardé ça? Ouais, il faut qu'on t'en regarde, là. Occidental secteur. On va mettre comme ça, comme sur le gros code. Arrêtez de faire sonner la petite voix, la voix bleue. C'est bien, faut qu'il s'amuse à faire de la musique. Faites sur le main. Ben, c'est bien, on se dit ça. Mais réponds à Luigi. Non. Monte, arrête-le, Hermel en route. Ouais, il parle tout seul, Luigi. Non, mais je veux dire, si c'est un bug du truc, il pense que. Ouais, mais c'est peut-être eux aussi qui s'amusent avec lui. Hein. Il n'a jamais bugué. Donc. T'es toujours là? Je suis là, Luigi, c'est tout. Je vois que si c'est un bug. Il y a tous les mots dedans ou pas, non? Les prénoms, tout ça, ce qu'il y a, ça. Il y a pas longtemps, il a fait une mise à jour. Ok, donc normalement, il doit être plus de mots que à la base. Quoi. On peut savoir ton nom, s'il te plaît? Austral. C'est Austral. Afrique Austral. Superfa Formula Copyright. J'ai fait le même. Faites sonner, s'il vous plaît, la boîte bleue. Un rototo. Un louiste. Faites sonner la boîte bleue. Ben oui. Ouais, prends la boîte. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Il va falloir purifier. Au-dessus, à l'étage. Vous avez encore un étage au-dessus? Non. Il y a ce que les Turcs. Plus fort. Donc vous n'avez pas de non. Premier, non, rien. Non, il y a la petite cave quand on sort. La copyright, dommagement. Stoppez. Dommagement ou dédommagement, ouais. Dommagement, logiquement, avec l'espagnol, je dois avoir un petit héritage. C'est gentil. Peu. Non, rapprochez pas, vous reculez de l'appareil. D'une maison. Photographie. Ouais, photographie. Reculez, un peu plus loin. Il fait des photos. Ouais. C'est bon, t'as l'œil. Stoppez là, l'appareil, s'il vous plaît. Reclus. Qu'est-ce qui est reclus? Oui, c'est du haut. C'est bien, en tout cas, tu nous réponds, merci. Oui, merci. C'était des nouvelles piles que tu as mis dedans, hein? Oui, elles sont neuves. Maintenant, j'ai bien changé, j'en ai des toutes nouvelles. Irresponsable, ouais. Notation. Notaire? Ouais. Notation, c'est une mais si, pas, ouais. Ouais. C'est quoi? Non, c'est eux qui ont marché c'est sur. C'est moi. Excusez-moi. C'est quoi? C'est la lumière. C'est rien. Oh, leur truc. C'est rien. Et je l'ai vu tomber. Oh, vous allez me faire mourir, vous deux. Et en plus, moi je suis là, mais je l'ai vu tomber. Mais c'est vrai que t'es là. Putain, t'es bah sûr, oui, hein. Attends, je vais changer pour être sûr. Maritime. Maritime, il est né près des ports et tout. On demandait les ponts. Maritime, maritime ici, il y a la Meuse et la Loire. Ah, c'est gros. Racine. Pas quelqu'un d'ici. Mais bon, une poire, c'est pas nous. C'est quelqu'un d'ici, dit Racine. Devant la caméra, pourquoi je mets une nouvelle pile dedans? Oui. Si ça refait, écoute. Racine, ouais, peut-être quelqu'un d'ici. Racine. Tu sais, ça vient de Chine, mais c'est. Il n'est pas cassé. Je viens avec toi. Ouais, vas-y, venez. Racine. Ouais, Racine. Moi, ça me dit rien. C'est peut-être quelqu'un d'ici. Bon, ce que je vais faire, on avait déjà changé la pile, mais je vais la rechanger. Donc, j'ai une toute nouvelle pile dans l'emballage, je vais la rechanger. Parce qu'on ne sait pas si c'est un bug ou pas du M-Pod. Il n'y a pas de source d'énergie, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur la Sony. Le truc de gaz, c'est mis en route, mais il ne fait pas d'interférence avec le M-Pod. Donc on va changer la pile. Après mon pote, salut. On veut des petits dons. Je vais me le faire devant vous en caméra. Jean, il va bientôt bosser. Luigi. Oui, Jean.
Les lampes, elles étaient allumées en face de moi. Oui. Ben, je viens juste de s'éteindre. Oh, d'accord. Est-ce que ça s'éteint automatiquement ou pas? Et où, les lampes d'où? Les lampes de la salle de bain se sont éteintes. Ah oui, mais je m'en suis toujours posé la question parce que j'ai déjà parlé avec cette lampe-là. C'est automatique ou pas? Ah d'accord, ok, donc il y a un minuteur, ok, ça va. Je peux même plus s'éteindre ici. C'est expliqué, donc c'est le minuteur. On sent moins. Ouais, c'est clair. Bon, nouvelle pile, donc c'est pas possible si on a des réponses, franchement. Tu l'as bien mis, nouvelle pile. Attends, je vais pas passer dans la code. Ouais, ils sont durs en truc. Ouais, je vois ça. Putain, allez, c'est la merde. Hein. Je pourrais casser la même pod en fait. Il a pas mal de la rentrée. Il est fragile, il est tordu. Ouais, mais là, maintenant, est-ce que c'est pas parce que le couvercle est froid, tu vois? Parce que la froidure fait que. Ça peut être aussi le froid du. Peut-être matin. Un essuie, tu vois, pour dire de. Parce qu'on sait que le froid peut interférer sur. Tu le mets en envers, en fait. Ah, d'accord. Le fil, c'est de l'autre côté. Bon, quand on essaye le REM pod, donc la pile est changée. J'ai mis ça pour le froid et pour l'humidité, parce qu'on sait que si il y a de l'humidité ou du froid, ça peut jouer. Tiens, je te laisse ton cadeau. Ça peut jouer sur le REM pod. Je vais. Sortir l'antenne. On va même le mettre là, le cardu. Attends, comment tu sors l'antenne? Voilà. Ouais. Je suppose qu'à l'humain, je vais se retrouver à l'humain. Oui. Et c'est enclenché quand on met un dessus, mais je crois non, que c'est. Non, il est plus tellement fragile, regarde. Ouais. Regarde. Ouais, c'est fragile. Attends, parce que j'arrive plus à. Comme ça, c'est prouvé. À l'antenne? Ouais, j'arrive pas. Attends, elle est dévissée en fait. Non, c'est une baïonnette. Ah, ok. D'accord. Donc, hop. Tu refermes comme ça. Ouais. Ok. Bon, on va essayer. Donc il est changé, les piles, et il n'y a pas d'humidité. En dessous, il est les chemins, il n'est pas mouillé. Calibrage. Voilà. Donc si vous voulez encore jouer avec le REM pod, vous pouvez. Hein. Je vous invite à. Vous manifestez via le REM pod si vous voulez qu'on remonte. D'accord? Appelez-nous et on vient. Un peu. C'est dingue quand même. C'est là pour Jean. Alors. Que ça pour... Escarpement commerciaux. Allez, on enchaîne là. J'ai. Moi j'ai bien. J'ai rechangé la pile. Et j'ai mis un essuie-main en dessous parce que tu sais, il faisait contact avec la lunette des toilettes. Elle est froide. C'est ça alors qu'elle est. Non, la lunette des toilettes, elle est froide. Le truc de chaleur. Mais je sais pas, c'était froid, tu vois. Non, mais ça, normalement, ça doit pas. Mais on sait que l'humidité, ça peut aller en dessous du HomePod et ça peut le faire déclencher, tu vois ce que je veux dire. Donc là, la pile est changée, j'ai mis un essuie. Oui, qui oui, pas oui. Humide. T'as pas pris celui que. Il ne peut plus rien avoir. Donc s'il sonne. Ouais, bah attends, tantôt. Tu venais de le mettre et il y a été, t'as fait descendu, donc il pouvait s'en dire. Il arrêtait. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Mon cœur. Mais là, moi, j'ai. Ça fait qu'il l'a déposé. Je pique un biscuit, même si son corps. En fait, maintenant. Le corps veut un, mais son corps. Avec le REM. Il les a fait hier. En plus. De mouvement. On a arrêté son corps. Ah ouais. Mais tout est changé, donc c'est impossible. Oui. S'il sonne, c'est quelque chose. C'est obligé maintenant. Donc je donne pile. Mais ça, c'est le mien. C'est celui qui. Moi, le mien, il est. Ah, mais ça, c'est le mien. Et là, il y en a un là aussi. Donc ça, ça doit être. Oui, ça, c'est un bon. Un peu? Non, de toute façon, si on a le sida, c'est une d'apoua, une d'apou deux. Je préfère avoir la syphilis, là. Bah, vas-y, bon. Je vais couper la caméra, ça sert à rien de faire tourner. Ouais, non, là, tu peux. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Ouais, bon. Vous avez fait sonner le même bonhomme, hein? Ah, ça va, c'est bien, c'est bon signe. Donc, il n'y a pas que l'autre qui a été, en fait. Les deux, ils ont été. De quoi? Parce qu'on a le même qui va. Mais non, il n'y a qu'un. Oui. Bon, on va monter après. Ouais, ouais, d'accord. C'est eux qui marchent.
Vous savez qu'avec les appareils que moi et mon collègue on a, enfin les appareils qu'on a tous, on sait vous entendre. Vous n'êtes pas obligé de passer par la Spirit Box. Non, on vous entend en direct. Donc vous pouvez nous parler, il n'y a aucun souci. Tous les trois. Qui est à côté de moi là? Dis-moi ton nom. Comment tu t'appelles? C'est toi, Augustin? Papa? Tu es à côté de moi? Vous êtes la maman de Jean? À côté de moi? Pourquoi vous avez arraché la veste? Est-ce que ça vous avait fait, est-ce que ça vous a fait plaisir d'arracher la veste? Pas de travers ici, hein? J'étais à 50 cm. Et après j'ai remis ma main et tant que je suis pas à 10 ou 15 cm, donc il n'y a qu'une fois, tu vois. Donc nous on va vous arracher. C'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Obidus? Ah, c'est le. Ça a sonné? Bah ouais, on est d'accord. C'est ça? Bah ouais. Bah ouais, mais il est éteint. Je vais le prendre dans mes mains. C'est normal, j'avais le même, moi. J'ai appuyé, je l'ai appuyé dans les mains. Bah ouais, tu l'as appuyé comme ça. Tu vois qui est éteint. Mais c'est qui aurait fait ça? C'est, il était correctivé. Ah, ok. Active le bouton pour démarrer une Occident. Ce qui est logique, est logique. Hein. Ouais. Mais ça m'étonne, une petite pièce comme ça, on n'a pas de correctivité avec les appareils. C'est pas étonnant. On voit ainsi, même dans des énormes bâtiments, hein, ouais. On a des réactions. Bah ouais. Ici, aucune. Il n'y a que des différences de température. Bon, ici, moins. Mais, tu vois. Ah ouais, donc c'est vraiment le. Voilà, ouais, mais bon. Ils vont l'entendre, c'est toi. C'est pour ça que je préfère le dire. Pourquoi aller mon petit ami? Mais il est. Oui, ouais, c'est lui. Regardez bien. Hop. Il ne dit rien. Et on est dans la chambre à coucher. Moi je parle, vous en. Là je parle tout doucement. Je parle comme ça tout doucement. Vous comptez des sueurs. C'est incroyable. Et encore, c'est encore pire avec le micro. Avec ton micro, ouais. Mais moi j'ai un micro aussi. Mais comment ça se fait que je ne mets pas en haut celui-ci? Bon. Moi je trouve que c'est un peu plus calme que tout à l'heure quand même. Oui, tu peux le prendre, tu peux le prendre dans tes mains. Oui, ouais, c'est si bon. Hein. Papa, si t'es à côté de moi, fais aller la lumière. Le K2 que j'ai dans les mains. Est-ce que tu es à côté de moi? Tu vois la petite lumière là? Fais-le bouger. Tu es à côté de moi, papa? Maman, c'est toi qui seras à côté de moi. C'est quoi ce bruit? Augustin, c'est toi? Fais aller la lumière du K2, s'il te plaît. C'est dingue, c'est vrai que les K2, d'habitude, ils vont là. Si le K2 se déclenche, c'est qu'il y a l'électricité qui passe devant. Ouais. Obligatoirement. Si on n'a pas. Le K2, il est fait pour détecter les énergies. Ouais. Il détecte le Wi-Fi, il détecte tout ce qui est électromagnétique en fait. Ouais. Donc s'il y a une interférence, il va s'allumer. Comme on pense dans le paranormal que les entités sont formées d'une énergie électrostatique. Et c'est ça qui pourrait. En principe, ça devrait. Déclenche.
Je vais arrêter la session de PVE. Ah, moi j'arrête aussi. Moi je trouve que ça s'est calmé en fait, je sais pas pourquoi. Session mais... numéro 2, stop. Ça s'est calmé quand vous avez changé en haut le... Alors, ça c'est juste un truc que je voulais vérifier si c'était pas un bug ou que ce soit un... On dit pas que c'est pas paranormal. Mais là depuis que j'ai fait justement mettre une serviette en dessous, la pile a été rechangée, elle est toute nouvelle. Pour l'instant ça me pue. Ou très peu. Je suis même pas si c'est une seule fois. Ben moi la pile, je l'avais eu emballée quand j'ai acheté le pod. Quand j'ai reçu. Je suis pas allé, je la remets dedans, je vais te le remettre, je vais tirer la couverture, ton bazar va se raffoler. Je peux essayer, hein. Bizarre. Faut en voir attendre, hein. Ben oui. Moi je sais pas, on dirait qu'en plus ça allait retomber, tu vois. Mais oui, tu as quand même pas mieux qu'il soit. Je suis moins stressé. Oui, ben moi, je sais pas ce que j'étais un peu pressé, pas oppressé énormément, mais je me sentais comme une petite boule ici que je n'ai plus. Je me sens moins pressé là. Avant qu'on arrive, tu n'étais pas bien? Non, là. Quand tu les trucs, l'ambiance, oui. Parce qu'elle entendait sonner et tout. Là, je me sentais un peu plus oppressé, mais là, moins. Peut-être que c'est parti de nous-mêmes. Ce serait bien. Bah, c'est rien, on va. De toute façon, on va faire ce qui est prévu, c'est continuer l'enquête. Continuer l'enquête paranormale. Bah oui, on va finir, on va tout éteindre, on va être au complet. Comme ça, moi, je peux faire mes séances aussi. Mais j'ai l'impression, ouais, le pot, tu pourrais essayer d'enlever la serviette. Je vais réessayer avec. Mais j'ai l'impression qu'il. Ou alors peut-être le mettre sur le lit. Il a peut-être changé de pièce. Ah, je peux, ouais, si je veux, je peux changer. Oui, oui, parce qu'il va tout le temps là. Hein. Je suis pas encore sûr. Je vais essayer dans un deuxième. Donc, il faudrait un deuxième. Deuxième pod. Mais moi, je vais en acheter un deuxième pod. Hein. Ça coûte cher, ça, c'est un disque sur le. 200. Combien? 100 euros. Je sais plus, bah, je crois que comment ça. 100 euros. Parce que moi je les ai vus à 257 euros. Chez. Chez. Comment est-ce que c'est Spirit là. Ouais, Spirit Shop. Ouais, Spirit Shop. Ça fait forcément, en plus j'en fais pas. Voilà, Luigi a constaté que j'avais le film et qu'il a ton photo et vous allez normalement le voir en photo. Et puis c'est moi et qui on va enfin faire la cave. Parce qu'en fait, là en fait je vois rien, donc je vois juste mes écrans. Vous le voyez moi, c'est un petit peu nerveux, mais j'aimerais d'en voir tout à l'heure. Donc en fait dans la cave, l'histoire de la cave, c'est que normalement, oh là, tout dernier, normalement il devait, en fait il y a un homme qui serait décédé dans les escaliers, non pas la magie. Il serait décédé dans les escaliers en fait. Et donc on s'est dit, on va faire une séance sur les deux. On va essayer de s'enfoncer dans la cave le plus possible. Pour voir si on va pousser les escaliers en fait. Je vois bien les yeux. Qu'est-ce que ça ? Il y a des marches en fait. Ah oui, il y a des marches. T'as derrière moi ? Il reste vraiment dans le noir. Je ne vois rien. Voilà. Ça, en fait, là, si vous voyez ça, là, c'est la lampe de Luigi. Donc lui non plus, il voit rien du tout. Attends, j'arrive là. Ouais. Parce que la progression est difficile. Attention, il y a deux marches. Ouais, ok. Ouais, c'est bon, je fais. Ok. Donc là, ça continue. Et ici, tu vas aller à... On a une entrée à droite. Tu veux faire à droite? Oui. Ok. Et ben, on va aller s'isoler, en fait. Parce qu'on va avoir des habitations. Donc, on va essayer de s'isoler le plus possible. Ça donne sur un coup. Ça ne donne pas sur l'autre. Ça va. Ok. Non. On rentre, il n'y a pas de marche. Et le sol a l'air vivant. Ouais, il est... Ouais. Alors ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Luigi va mettre son casque audio pour les PVE. On fera une séance PVE, en fait. Donc, pour vous dire où on est exactement, on est chez la dame qui a demandé à l'aide. En fait, l'équipe, c'est nous. C'est Para Apex Belgique. Et on a été appelé... pour des phénomènes de griffes physiques. J'en ai été malheureusement victime. Et même si j'ai beau être rationnel, je ne trouve pas la cause de ces griffes en fait, parce qu'il n'y avait personne qui m'a griffé. Plus de batterie. Plus de batterie? Non. Je viens de les changer. Non. Je te jure. C'était quoi ça? Il n'y a pas, c'était pas là. Un goût. Un
ça commence déjà bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une séance PVE déjà ou... Ah, t'as plus de batterie pour tes PVE? Non. Bon, allez, c'est pas possible, tu as juste changé les piles. Bah oui, je sais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Tiens. Attends, je vais voir. Je vais m'écarter un peu. Je t'ai... On va essayer de faire une séance de box. Je vais essayer de ne pas la mettre trop fort pour les voisins parce que... Là, j'ai entendu un toc. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un avec nous ce soir? Quelqu'un avec nous ce soir? Radio. Michel. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Il paraîtrait que il y aurait un monsieur qui est tombé dans les escaliers et qui en est mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure? Je suis avec Luigi et moi c'est Laurent. Et vous, c'est quoi votre nom? Thank you.
Le bon progrès dans tout l'homme. Ah, ça fait un nom, mais je... Si vous m'avez répondu, merci. On n'est pas là pour vous embêter, on essaie de rentrer en communication avec vous. Est-ce que vous m'avez compris? Attention. Pourquoi vous dites attention? J'ai une question pour vous. Ce soir, on m'a griffé. J'aimerais bien savoir le nom de la personne qui m'a griffé, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je voulais savoir qui m'a griffé. Est-ce que vous avez un nom? Un nom. Vous voulez qu'on progresse dans le couloir? Vous voulez qu'on avance dans le couloir avec la spirit box? Ok, on va avancer alors. Vas-y, tu peux passer vraiment. Allez, je vais passer. Ouais. D'accord, ouais. Je suis là. Alors, je vais faire attention parce que c'est bien. Est-ce que vous savez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Voilà, allez, Marc, ça va. Marc, cet homme. Marc? Voilà, voilà. Attends, je vais faire. C'est une bonne dernière. C'est bien votre nom, Marc? C'est ça que j'ai entendu, hein, Marc, t'as vous dites. Marc, vous êtes tombé dans les escaliers? Oui. Marc, vous êtes avec nous? Je voudrais savoir qui m'a griffé. Mais on comprend pas trop. Non, on comprend pas, non. On va continuer à avancer. Hein. Donc n'hésitez pas, suivez-nous. Je vais essayer de retrouver les escaliers parce que pour les meurtres, c'est pas évident. Donc en fait, l'homme serait mort ici. Donc c'est les escaliers, c'est une page de plus. Enfin, tout ce qui n'a pas de marche en plus. C'est là, c'est ça que vous avez dit, c'est ici. Ça parle, mais on comprend pas très bien. Non. Si, si, vous êtes tombé. Marc. Si, si, vous êtes tombé. N'hésitez pas à nous parler. On est là pour vous, hein. T'as des questions? Une question. Non. Marc, est-ce que vous êtes toujours présent ici dans la cave? Est-ce que vous êtes une femme ou je viens juste de vous entendre? Est-ce que vous êtes une femme?
Est-ce qu'il y a d'autres entités que Marc, ici présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous? Vous êtes combien, s'il vous plaît? Un. J'ai entendu un. On a analysé, mais j'ai entendu un. Je veux continuer, on continue jusqu'au fond. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Est-ce que vous voulez qu'on reste ici avec vous? Oui. On va continuer alors. Donc n'hésitez pas, suivez-nous. On est là pour vous. Est-ce que ça vous plaît qu'on est là avec vous? Pas tout sur la personne, c'est quoi? C'est des mains. Est-ce que ça vous plaît qu'on est là avec vous ce soir pour rentrer en contact? C'est pas possible, c'est des mains, je suis en train de... Non. Pourquoi non? Ça nous dérange? Oui. Ouais. Dites-moi, la personne qui m'a répondu, je voulais savoir qui m'a griffé. Ce soir, on m'a griffé dans le dos, je voulais savoir un nom, s'il vous plaît. C'est moi. T'as pas entendu que c'est moi? Si, c'est moi. Je tiens à vous dire que je ne suis pas très content parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais même pas si c'est encore progressé en fait. Non, c'est pas progressé, là. Il y a un mur là, je crois, devant. On voit rien du tout, hein. Je vous assure, les gens, on voit rien du tout. Devant, tu arrives. Mais ouais, c'est fort et trop. Ouais, c'est une fort et trop malade, donc. Je vois rien du tout. Est-ce que je peux rentrer ici? Ah, voilà, je vais aller maintenant. À droite ou tout droit, vous avez dit? Je vais vous le dire direct, hein. Si c'est vous qui m'avez griffé, je vais vous faire un misère. Vous m'avez compris? On m'a jamais griffé, moi. Vous êtes en colère parce qu'on vous a oublié dans les escaliers quand vous êtes mort? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. La personne qui m'a griffé tout à l'heure. Moi, je vous ai rien fait. J'ai pas demandé à être griffé. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va vous chasser de votre maison. Vous n'avez rien à faire là-bas. Donc vous pouvez nous suivre jusque là-bas si vous voulez. Tout ce que je demanderai, c'est que si vous devez encore vous en prendre à quelqu'un, c'est que à moi et pas aux autres. Vous n'avez aucun droit. Aucun droit sur nous. On est plus fort que ça. On va continuer la progression, en fait, on va faire marche arrière. Ouais. Tu veux faire une séance? Ah non, c'est pas faire une séance PD. Tu veux faire une séance PD? Comme tu veux. Non, on peut faire une séance PD. Merci pour vos réponses si vous m'avez répondu. Enfin, merci. Non.
pas merci parce que vous m'avez griffé. Ah, ça fait bien que ça s'arrête. Bon, on va continuer la progression, les amis. Je vais demander à mon comparse. Enfin, je ne sais pas te prendre parce que si je te prends, je vais t'éblouir. Ouais. Voilà. En fait, il est là. Bon, en fait, vous n'allez pas le voir. Hein. Voilà, il est là. Voilà. Donc, je vais demander à mon comparse qui pose des questions. Comme ça, je peux une fois le filmer aussi. Comme ça, je vois sa matière de travail. Parce que c'est la première fois que je travaille avec Luigi. Et je voudrais voir comment il pose les questions et tout ça. Quoi. Voilà, bon, ben, c'est parti. On reste ici, vu qu'on a eu des voix. On peut dire des voix, mais bon, c'est toujours à analyser. Ouais. On continue alors, et on va se faire deux, trois questions avec la peut-être entité. Alors, la première question, c'est pourquoi agresser Laurent? Pourquoi justement Laurent? S'il y aurait moyen d'avoir la réponse, vous pouvez parler, il n'y a aucun souci, mon micro va capter. J'ai mon casque, je peux même vous entendre en direct. Donc si vous avez une réponse, répondez-moi, je vous écoute. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Il y a un frigo qui s'est mis en route. Et, quelque chose, c'est une machine. Ouais, c'est une machine. Ouais, j'ai été étonné aussi. En fait, bref. Voilà, s'il y a entité ici, je vous en prie, vous pouvez nous parler en direct, je vous entends très bien, et vous pouvez y aller. Mais ma première question est toujours et reste, pourquoi avoir griffé Laurent? Je ne vous entends pas répondre, mais bon, peut-être il y a une réponse, j'en sais rien du tout. C'est quoi, c'est... Je sais pas, il y a des bruits un petit peu partout autour de nous. Ça va pas être possible, je crois que c'est... Non, il y a des parasites. Ouais. Bon, on va mettre fin à la session PVE et on va maintenant se rendre dans la maison où il y a ces phénomènes avec Luigi et on va sans doute peut-être aller soit dans la cuisine ou soit dans les chambres. Parce qu'on a eu quelques résultats avec le RemPod, mais encore... À prendre en pincette parce que moi et on s'est parlé un peu, moi et Luigi, on a changé les piles et on a mis un truc et depuis le RemPod ne sonne plus, donc je pense que c'était plus un défaut de pile, je pense. Oui, en tout cas c'était technique. Ouais, voilà, c'était technique en grosso modo. Donc on vous dit à tout de suite pour la suite de la soirée, enfin de cette maison. Bisous. À tout de suite. Je vais te guider. Ouais, t'entends ça? Ouais. Des machines ici. Ici. À tout de suite. Ah, d'accord. C'est les câbles. En fait, chaque porte, c'est la cave d'un appartement. Ah ouais? Ici, c'est un monsieur. Je ne dirai pas le nom, bien sûr. Mais monsieur GL. Ah ouais. Là, je tourne plus là, c'est bon. En fait, je pense que... C'est ça, tu penses? Dans les caves, ils mettent leur frigidaire ou des trucs dangereux. Ouais, c'est peut-être possible. Mais c'est quoi, on dirait un bruit ici, là, bien là. Ouais, ici. Sinon, c'est qui fait aller me faire une sieste, si tu veux. Ou alors, c'est un... Ça va, tu vas lâcher avec les mains de l'eau? Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non, c'est pas... C'est plus loin. Je vais faire une chaude. Il y a beaucoup de bruit. Ouais, c'est inexploitable. Putain, on nous entend quand même, du coup. Ah ouais, c'est toi qui avais fait un... Bah écoute, pas grand-chose, hein, en fait. Non. On verra. Ouais.
voir. On va aller on va à deux, ou je ne sais pas si ça va changer de coéquipier. Mmh. Soit vous faites la cuisine, bref, on prend en haut et après on change. Putain, ça me fait mal d'encore en cuisine meilleure. Ouais. Je sais pas, ça fait chiant, c'était trop pollué, ça casse le cou. C'est pas évident. Vous voyez que les pousses, mais il faudrait que je les trie sous le volet. Clairement.